der Salon Entreprendre in Brüssel. Er, das ist Thomas Verdier-Fuentes, Diplom-Ingenieur der Ingenieurshochschule Lille in Frankreich. Sein Fachgebiet die Unternehmertätigkeit. Sein Erasmus für junge Unternehmeraustausch endet mit diesem Salon. Neben ihm Thierry Vandenbroek, Direktor von Poseco, der Verband, bei dem er zu Gast ist. Aber schauen wir ein paar Monate zurück. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Pulse Up, so heißt der Businessplan, mit dem sich Thomas beim Erasmus-Programm für junge Unternehmer beworben hat. Sein Ziel, die Suche nach Finanzierungen auf die kleinen und mittleren Verbände auszudehnen. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Poseco ist eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, die im Bereich des gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmertums arbeitet. Viele junge Europäer kommen dorthin, um zu arbeiten. In diesen 5 Monaten Erasmus für junge Unternehmer konnte Thomas ein Projekt eigenständig entwickeln und leiten. Die Ziele seines Businessplans entsprachen dem Bedarf von Poseco perfekt. Alors, c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc, c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc, il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaire. Thomas erhielt von Thierry Vandenbroek einen sehr präzisen Auftrag. Ein Netzwerk aus mehr als 35 gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmern aufzubauen und zu koordinieren. Er musste lernen zu arbeiten, Sitzungen zu leiten und Entscheidungen mit seinen Kollegen zu treffen. Ce qui pour moi m'a appris le plus dans mon expérience ici à Poseco, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Als französischer Muttersprachler war Thomas bei seiner Arbeit in Brüssel effizient. Aber Thierry hat auch seine sonstigen Sprachkenntnisse geschätzt. Erasmus für junge Unternehmer soll ja das Bestreben nach Internationalität der KMU fördern. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait, de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international. Europa ist ein Markt mit 500 Millionen potentiellen Kunden, ein Binnenmarkt, auf den sich Thomas künftig stützen kann. Donc le côté international au niveau du business, on pourra Mais clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco. Et clairement, ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Thomas hat seinen Auftrag erfolgreich zu Ende geführt. Dank seines Austauschs mit Poseco waren alle Unternehmer, die er in einem Netz zusammengebracht hatte, beim Salon Entreprendre präsent. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait, d'avoir confiance en fait, dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return, c'est du 300%. Quoi.